Bonjour, je vous présente aujourd'hui le cours d'investissement financier à partir de l'ouvrage de référence qu'on utilise en classe pendant les cours d'Erwan Le Saout, Introduction au marché financier, la cinquième édition Economica. Donc, deux chapitres en fait que je vais présenter. Tout d'abord, le premier, ça concerne en fait la suite du chapitre 1, la partie restante du chapitre 1, concernant le portefeuille composé de N titres. Et quand c'est le TOUZ avec le TOUZ, 4%, donc c'est la variance du titre le TOUZ, c'est la relation en fait entre le titre et lui-même. Et si nous continuons ce diagonale, on trouve là, quand c'est Mercier avec Mercier, c'est la relation toujours entre le titre Mercier et lui-même. Et donc, c'est la variance du titre Mercier. Et donc, c'est 1,96%. Ensuite, parlons des cellules qui représentent les intersections entre deux titres différents. Par exemple, là, 1,2%, c'est l'intersection entre le TOUZ. Sur le côté horizontal et l'Alinec sur le côté vertical, donc 1,2%. Donc c'est la relation entre deux titres, donc ça représente la covariance, l'Alinec, le TOUZ. Et de même, l'intersection entre Mercier sur le côté horizontal et l'Alinec sur le côté vertical, c'est 1%, et donc c'est la covariance Mercier, l'Alinec. Si on descend dans la matrice, regardons l'intersection entre l'Alinec sur le côté horizontal et le TOUZ sur le côté vertical, c'est 1,2%. Donc on constate que c'est toujours la covariance l'Alinec, le TOUZ, et c'est exactement comme la cellule précédente qui représentait la covariance le TOUZ et l'Alinec horizontal et vertical respectivement. En fait, la covariance le TOUZ, l'Alinec, 1,2%, c'est elle-même la covariance l'Alinec, le TOUZ. Et donc, je reprends les 9 cellules. Donc, l'Alinec, c'est 1,44%, c'est la variance du titre l'Alinec. Et ensuite, le TOUZ, l'Alinec, 1,2%, c'est la covariance le TOUZ, l'Alinec. Et ça se répète dans la ligne au-dessous. Mercier et l'Alinec, c'est la covariance Mercier et l'Alinec. Donc c'est la relation entre ces deux titres, 1%. Et ensuite, la deuxième ligne, on a la quatrième cellule, 1,2%. C'est toujours la covariance l'Alinec, le TOUZ. L'ordre n'est pas important, c'est l'Alinec, le TOUZ ou le TOUZ, l'Alinec. C'est en fait la covariance des deux titres et ça représente la relation entre les deux. Cinquième cellule, 4%, ça représente la variance du titre le TOUZ. 0,8%, la sixième cellule, ça représente la covariance Mercier, le TOUZ. Septième cellule, 1%, de nouveau, ça se répète comme dans la première ligne. Donc, c'est la covariance l'Alinec Mercier. 0,8% la huitième cellule, c'est la covariance le TOUZ Mercier. Et finalement, 1,96%, c'est la variance du titre Mercier. Donc, vous savez que la variance, c'est l'écart hypocarré du titre. Et la covariance, en fait, mesure, comme vous l'avez vu précédemment, le sens de la relation entre deux titres. Et nous voyons là que toutes les covariances sont positives. Ça veut dire que le sens de la relation entre un titre et l'autre est positif. On pouvait avoir des covariances négatives. Si la covariance entre deux titres était négative, ceci veut dire que la relation entre les deux, la corrélation en fait entre les deux titres est négative, que les deux titres évoluent de sens inverse. Et bien sûr, quand une covariance est négative, ce qui veut dire que les deux titres évoluent
de sens inverse, ceci augmente, donc la combinaison de ces deux titres va entraîner en fait une minimisation du risque total. Donc notre objectif là, c'est de calculer le risque de ce portefeuille, mais qui est composé non pas de deux titres, mais de n titres. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser cette matrice. Et bien sûr, cette matrice n'est pas toujours donnée. On peut nous constituer cette première matrice en calculant la variance de chaque titre et la covariance entre la covariance de chaque deux titres correspondants. Et à partir de ces données dans la première matrice, nous allons présenter une deuxième matrice dans laquelle nous allons faire ces calculs. Cette deuxième matrice, on a toujours une matrice carrée avec 9 cellules. Et on a les trois titres, les mêmes trois titres situés dans le même ordre horizontalement, l'Alinec, le Touze, Mercier, et les mêmes trois titres situés verticalement, l'Alinec, le Touze, Mercier, avec le poids respectif de chaque titre, l'Alinec qui représente 50%, donc 0,5. Dans nos calculs, il faut toujours utiliser les décimales et non pas les pourcentages, parce qu'en utilisant les pourcentages, ça risque de faire des erreurs. Donc 50%, donc 0,5. Le Touze, le poids respectif de le Touze, c'est 30%, donc 0,3. Et le poids respectif de Mercier, c'est 0,2. Et on répète les poids là, c'est 0,5, 0,3 et 0,2. Donc comment nous allons présenter cette matrice? En fait, dans cette première cellule, nous allons calculer, nous allons effectuer le calcul suivant. C'est le poids de l'Alinec, donc 0,5, multiplié par le poids de l'Alinec, 0,5, et multiplié par la variance l'Alinec. Donc 0,5 fois 0,5 fois 0,0144. Dans la deuxième cellule, ça serait le poids de le Touze, donc 0,3, multiplié par le poids de l'Alinec, 0,5, et multiplié par la covariance le Touze l'Alinec, qui est de 0,012. Troisième cellule, donc c'est le poids respectif de Mercier 0,2 fois le poids respectif de l'Alinec 0,5 multiplié par la covariance Mercier-L'Alinec. Mais tout est en décimal. Je continue. Quatrième cellule, c'est la multiplication du poids de l'Alinec 0,5 fois le poids de le Touze 0,3 multiplié par la covariance l'Alinec le Touze 0,012. Et cinquième cellule, c'est le poids de le Touze 0,3 fois le poids de le Touze lui-même 0,3 multiplié par la variance de le Touze 0,04. Sixième cellule, c'est le poids de Mercier 0,2 fois le poids de le Touze multiplié par la covariance Mercier le Touze 0,008 et ainsi de suite. Et on va donc présenter une autre matrice composée de 9 cellules, mais avec ces calculs. En fait, le risque de ce portefeuille qui est composé de 3 titres est la somme des calculs qu'on vient d'effectuer et la somme de ces 9 cellules qu'on avait calculées dans la deuxième matrice. Voici la deuxième matrice. On a, après avoir fait ces calculs, on a dans la première cellule 0,36%, 0,18%, 0,1%. Et comme j'ai dit, il faut les transformer en décimales et non pas en pourcentage. Donc là, ça serait 0, la première cellule 0,0036 et ensuite 0,0018, 0,001, 0,0018 plus 0,0036 plus 0,00048. Plus 0,001, plus 0,00048 et plus 0,000784. Et on fait cette somme. Et la somme de ces 6 cellules va nous donner, en fait, le risque, la variance, en fait, du portefeuille. Donc, je répète, la variance du portefeuille est égale à la somme des cellules obtenues dans la matrice de la deuxième étape. La variance là,
c'est 0,0454 ou bien en pourcentage, c'est 1,45%. Comme vous le savez bien sûr, le risque, ce n'est pas la variance. Le risque, c'est le racine carrée de la variance, donc c'est l'écart type. Donc, si on fait, on calcule le racine carrée de la variance, on va obtenir l'écart type qui représente le risque de ce portefeuille composé de N titres qui est égal à 0,1259 ou autrement dit 12,59%. Donc, le risque de ce portefeuille composé de N titres est égal à 12,59%. Ensuite, la dernière étape, c'est en fait de juger est-ce que ce portefeuille est efficient ou non. Quand est-ce qu'un portefeuille composé de N titres est efficient? C'est en fait quand le risque total du portefeuille, qui est là de 12,59%, soit inférieur au risque individuel de chacun des titres. Donc, c'est quand le risque du portefeuille est inférieur au risque individuel de chacun des titres qui le composent. Dans ce cas, nous pouvons juger que ce portefeuille est bien efficient. Donc, dans notre cas, le risque de l'Alinec, le risque individuel du titre l'Alinec, qui est le racine carrée de la variance qui était donnée au début, donc racine carrée de 0,0144 est égal à 0,12. Donc, si on compare le risque de l'Alinec avec le risque du portefeuille, nous allons constater que le risque de l'Alinec tout seul est inférieur au risque du portefeuille. Donc, ceci veut dire que le portefeuille n'est pas efficient. Si on regarde le titre LeTous, le risque du titre LeTous, le risque individuel du titre LeTous, c'est racine carrée de la variance de LeTous, racine carrée de 0,04, donc c'est 20%. Donc, si on compare 20% au risque du portefeuille de 12,59%, on constate que c'est plus élevé. Donc, dans ce cas, on voit que c'est bien. Si on compare le risque individuel du titre Mercier, qui est de 14%, et on le compare au risque du portefeuille de 12,59%, donc on voit que il est supérieur. Donc là, le risque individuel est supérieur au risque du portefeuille, donc là, c'est bien. Mais enfin, globalement, si nous voulons juger l'efficience du portefeuille, on va juger que ce portefeuille n'est pas efficient. Pourquoi? Parce que il y a le risque d'un des titres, l'Alinec, qui est inférieur au risque du portefeuille. Donc, cette diversification n'a pas réussi à minimiser le risque du portefeuille par rapport au risque individuel de chacun des trois titres. Nous avons terminé ce chapitre donc. Et je vais commencer le chapitre 2 sur les bienfaits de la diversification. Et donc, je commence par une introduction. Et donc, le risque du portefeuille dans ce cas est égal au racine carrée de 0,0036, ce qui nous donne 6%, 0,06. Ce qui veut dire que, en combinant deux titres ayant un coefficient de corrélation égal à plus 1, donc parfaitement positivement corrélé, le risque de portefeuille va être égal au risque individuel de chacun des deux titres. Le risque du titre A est égal à 6%, le risque du titre B est égal à 6%, et la combinaison de ces deux titres dans un portefeuille va donner un risque global du portefeuille égal à 6%. Donc, ce portefeuille, dans ce cas, n'est pas du tout efficient. Voyons le deuxième cas de combiner les titres A et B, mais ayant dans ce cas, selon cette hypothèse, un coefficient de corrélation de moins 1. Donc, dans ce cas, les deux titres sont parfaitement, mais négativement corrélés. Ce qui veut dire que si la rentabilité du premier titre augmente de 1%, la rentabilité du deuxième titre va en fait diminuer de 1%. Donc, calculant le risque du portefeuille dans ce cas, je répète la formule. Donc, c'est
le poids du premier titre au carré multiplié par le poids multiplié par l'écart type du premier titre au carré et plus le poids du deuxième titre au carré multiplié par l'écart type du deuxième titre au carré et plus 2 fois le poids du premier titre multiplié par le poids du deuxième titre multiplié par la covariance des deux titres. En fait, dans le premier cas, et même ici, on n'a pas la covariance des deux titres n'est pas donnée. La covariance des deux titres n'est pas donnée. Mais nous, on sait que la formule de la covariance, comment on calcule la covariance des deux titres, c'est en fait le coefficient de corrélation multiplié par l'écart type du premier risque, du premier titre et multiplié par l'écart type du deuxième titre. Donc, la covariance des deux titres est égale à la coefficient de corrélation multiplié par l'écart type du premier titre multiplié par l'écart type du deuxième titre. Donc, appliquons là cette formule. Donc, c'est 0,5 au carré multiplié par 0,06 au carré et plus 0,5 au carré multiplié par 0,06 au carré et ensuite moins. Pourquoi moins dans ce cas? Parce que le coefficient de corrélation est égal à moins 1. Donc, moins 1 multiplié par 2 fois le poids du premier titre 0,5 multiplié par le poids du deuxième titre 0,5 et multiplié par le risque du premier titre 0,06 fois le risque du deuxième titre 0,06. Donc, dans ce cas, la variance du portefeuille sera égale à 0 et donc l'écart type est égal à 0. Et donc, le risque est nul. Ce qui veut dire que en formant un portefeuille composé de deux titres qui sont parfaitement négativement corrélés, ayant un coefficient de corrélation de moins 1, et donc les deux titres évoluent de manière inverse avec la même intensité, on va minimiser le risque du portefeuille global pour être nul. Et donc là, le portefeuille est très efficient. Prenons le troisième cas, troisième hypothèse de combiner deux titres ayant un coefficient de corrélation nul, ce qui veut dire que les deux titres ne sont pas corrélés et sont indépendants l'un des autres. Donc, recalculant le risque du portefeuille, ça serait égal à 0,5 au carré multiplié par 0,06 au carré plus 0,5 au carré multiplié par 0,06 au carré et plus 0. Parce qu'en fait, le coefficient de corrélation dans ce cas est égal à 0, donc il va annuler le reste de la formule. Et donc, dans ce cas, la variance sera égale à 0,0017. Et quand on fait la racine carrée de la variance, on va obtenir un écart type, un risque, une volatilité qui est à hauteur de 4,24%. Donc, on constate là que le risque du portefeuille est inférieur au risque individuel de chacun des deux titres parce que les deux titres sont, l'évolution des deux titres est indépendante. Les deux titres, en fait, sont indépendants l'un des autres. Et donc là, on voit aussi que le fait d'avoir un coefficient de corrélation qui est nul a entraîné une minimisation du risque du portefeuille. Bien sûr, n'est pas au même hauteur du cas où les deux titres sont négativement corrélés, mais ça entraîne quand même une baisse du risque du portefeuille par rapport au risque individuel de chacun des deux titres. Et donc, le deuxième point, Markowitz essaye de tester, toujours dans l'objectif de maximiser la rentabilité du portefeuille et de minimiser le risque du portefeuille, il essaye de tester l'impact de la variation du poids respectif des deux titres A et B sur la rentabilité totale du portefeuille et le risque total du portefeuille. Donc, voyons cet exemple. Deux titres A et B, dont la rentabilité de A est égale à 18%, la rentabilité de B est 10%, le risque de A, l'écart type, c'est 11% et le risque de B, c'est 7%. Donc, voyons bien que la rentabilité de A est supérieure à la rentabilité de B et donc, bien sûr, que le risque supporté par A est inférieur et supérieur au risque supporté par B parce que
comme on sait bien, un high risk, high return. Et donc, quand le risque supporté est élevé, la rentabilité espérée aussi est élevée. Et donc, Markowitz va utiliser un coefficient de corrélation de moins 0,5, c'est-à-dire que ces deux titres, on suppose que ces deux titres sont négativement corrélés, mais pas une corrélation qui est parfaite, mais négativement, moyennement corrélée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs hypothèses possibles. Première hypothèse, que le poids des titres A est égal à 0% et le poids de titre B 100%. Et ensuite, poids de titre A 10% et B 90%. Poids de titre A 20% et B 80%. Poids de titre A dans le portefeuille de 40% et B 60%. Et ainsi de suite, on va avoir toutes les combinaisons possibles et toute la répartition possible de poids du portefeuille entre A et B. Et à chaque fois, on va calculer la rentabilité du portefeuille et le risque du portefeuille tout en utilisant le même coefficient de corrélation qui est égal à moins 0,5. Et donc, voyons ce tableau. On va négliger dans ce tableau, c'est le tableau d'évolution des premiers moments de distribution d'un portefeuille composé de deux titres, donc A et B. Donc, on va négliger, on ne va pas prendre en compte, nous, la première ligne, ni la dernière ligne, parce qu'on ne va pas prendre en compte des poids négatifs, les poids négatifs. Et donc, nous, on va commencer de l'état 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 10 états, 10 combinaisons possibles. La première, c'est d'avoir un portefeuille composé de 0% de A et 100% de B. Et ensuite, 10% de A, 90% de B, 20% de A et 80% de B, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée à 100% de A et 0% de B. Et à chaque fois, nous allons calculer la rentabilité du portefeuille et le risque, l'écart type du portefeuille. Donc, on voit bien que ce tableau montre la variation du couple rentabilité-risque des portefeuilles potentiels formés par Markowitz selon les différentes combinaisons de A et B. Et donc, je vous rappelle du formule de calcul de la rentabilité du portefeuille. Donc, c'est le poids de A multiplié par exemple, si on prend l'état 2, donc le poids des titres A, c'est 0%, multiplié par la rentabilité de A, et plus le poids de B, donc c'est 100%, multiplié par la rentabilité de B, le taux de rentabilité de B. Et donc, dans ce cas, la rentabilité du portefeuille sera en fait la rentabilité du titre B est égale à 10%. Et ensuite, calculant le risque du portefeuille selon cette hypothèse, et c'est la même formule qu'on vient d'utiliser précédemment, et donc c'est le poids du titre A au carré multiplié par l'écart type du titre A au carré plus le poids du titre B au carré multiplié par l'écart type du titre B au carré et plus 2 fois le poids du titre A multiplié par le poids du titre B, multiplié par le coefficient de corrélation qui est égal à moins 0,5, multiplié par l'écart type du titre A, multiplié par l'écart type du titre B. Et je vous conseille d'essayer de faire ces calculs et de s'assurer que vous avez obtenu les mêmes rentabilités et les mêmes risques pour les 10 possibilités de combinaison de A et B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats qu'on avait obtenus de différentes rentabilités et de différents risques? Donc, on constate dans ces graphiques, prenons le graphique numéro 11.4, l'estimation du risque et de la rentabilité d'un portefeuille selon les combinaisons des titres. Donc, on constate bien que tout d'abord, sur l'axe des X, on a le risque, sur l'axe des Y ou des ordonnées, on a la rentabilité,
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va positionner un point qui représente la combinaison de pour chaque état des 10 états. On va voir le risque correspondant et la rentabilité correspondante, et ça serait le premier point. Par exemple, ce point B qu'on voit, le point B qu'on voit sur le graphique, c'est en fait une combinaison de risque de 7% et rentabilité de 10%. C'est l'état numéro 2. C'est le cas où on a 0% de titre de A et 100% de titre de B. Donc le deuxième point, par exemple là, ça serait la seconde possibilité d'avoir 10% de titres de A et 90% de titres de B. Donc dans ce cas, le risque sera égal à 5,83% ici et la rentabilité égale à 10,8%. Et ainsi de suite, et on va dessiner jusqu'à l'arrivée au point A qui représente un portefeuille composé de 100% de A et de 0% de B. Et donc dans ce cas, le risque sera égal à 11% et la rentabilité égale à 18%. En fait, cette courbe qu'on vient de dessiner est nommée la frontière d'efficience ou la frontière efficiente. Donc on constate que ceci représente la frontière efficiente des différentes combinaisons des titres A et B en supposant que le coefficient de corrélation est égal à moins 0,5. Donc on constate que cette courbe en fait a deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure, et que la frontière efficiente ou la frontière d'efficience, en fait c'est la branche supérieure de la courbe. Pourquoi? Parce que la branche supérieure de la courbe qui représente la frontière efficiente ou d'efficience, c'est la branche qui maximise la rentabilité pour un niveau de risque donné. Et au contraire, la branche inférieure ne représente plus un investissement rationnel. J'explique. Si l'investisseur accepte un niveau de risque de 7%, là, donc avec ce niveau de risque, une certaine combinaison de titres A et B va donner un taux de rentabilité de 10%. Et si on se dirige vers le haut là et on rencontre l'autre point, vous voyez là, avec qui représente une autre combinaison de titres A et B, ceci va nous donner une rentabilité de 16%. Donc, un investisseur rationnel ne va jamais accepter une combinaison de titres qui va réaliser un taux de rentabilité de 10%. Au contraire, il va négliger donc cette branche inférieure. Il va se diriger vers la branche supérieure qui permet de réaliser un taux de rentabilité de 16%. C'est pour cela que la frontière d'efficience représente la branche supérieure de cette courbe et non pas la branche inférieure. Ensuite, se situant sur la branche supérieure qui peut maximiser la rentabilité, le choix de l'investisseur entre les différents points sur la branche supérieure dépend là de son goût et dépend là de ses préférences et de sa personnalité, parce que un investisseur qui accepte trop le risque contre un pourcentage de rentabilité espéré qui est plus élevé va accepter par exemple de prendre un risque de 11% contre un taux de rentabilité de 18% et va préférer probablement la combinaison, le point A là, où on va composer le portefeuille à 100% de titre A et à 0% de titre B. Un autre investisseur qui peut accepter un risque de 9% contre un taux de rentabilité qui est un peu moins élevé là. Un autre qui va accepter un risque seulement de 7% contre un taux de rentabilité qui est un peu moins élevé de 16%. Donc là, ça dépend du goût, ça dépend de préférence de l'investisseur. Si on regarde le deuxième graphique, numéro 11.5,
le graphique d'estimation du risque et de la rentabilité d'un portefeuille selon le coefficient de corrélation. Donc, on constate bien que... Et donc, cette deuxième graphique va analyser l'effet du coefficient de corrélation sur l'allure, c'est-à-dire sur l'aspect de la courbe. Donc, on constate que cette coefficient, cette courbe, cette-là, frontière efficiente, représente un coefficient de corrélation de moins 0,5. Mais en fait, si le coefficient de corrélation entre les deux titres A et B est égal à moins 1, donc l'allure de la courbe va être plus pointue. Et si le coefficient de corrélation est égal à 0, la courbe va être là, comme cette troisième courbe, moins pointue. Et si le coefficient de corrélation est égal à 1, et donc on va avoir cette droite qui est à la fin, qui est pointillée à la fin. Ce qui veut dire que ceci est logique parce que quand le coefficient de corrélation est égal à moins 1, donc les deux titres sont parfaitement négativement corrélés, donc ceci entraîne, comme on le connaît bien, une baisse du risque. Donc c'est pour cela qu'on voit la courbe, la frontière efficiente, se diriger vers un risque moins élevé, donc se diriger vers l'axe des Y, qui est plus pointu. Et quand le coefficient de corrélation commence à augmenter, par exemple pour atteindre moins 0,5, donc la courbe sera moins pointue. Et quand c'est égal à 0, c'est plus moins pointu. Et à la fin, quand c'est égal à 1, on va arriver à presque une ligne droite qui relie les deux points. Donc, je vous conseille une deuxième fois d'essayer de faire les calculs nécessaires pour, avec par exemple un coefficient de corrélation de moins 1 ou bien de égal à 0, pour voir et essayer de dessiner cette courbe, essayer de dessiner la frontière d'efficience pour voir la différence au niveau de l'allure de la courbe.